Bonjour à tous, on se retrouve pour cette sixième séance en langage d'assembleur pour faire de la lecture de données. Alors c'est un peu l'exception sur cette playlist, vous avez remarqué qu'on avançait vraiment étape par étape, parce qu'il y a beaucoup de choses à voir, et vous avez remarqué aussi qu'il y a beaucoup de vidéos où je dois vous aborder les différentes fonctions et les différentes notions, à la fois sur Windows et à la fois sur GNU Linux. Donc plutôt que de faire énormément de quantité de choses à voir par vidéo, j'étale un petit peu plus, on va dire en comparaison d'autres formations de la chaîne. Donc là, on va regarder la lecture de données. On va commencer par Windows évidemment et on passera ensuite sur GNU Linux. Comme je vous l'avais dit aussi précédemment, je vais juste me contenter de l'architecture 64 bits. Donc si vous travaillez sur architecture 32 bits, ce sera à vous d'adapter le code. Je ne vais pas montrer pour les quatre architectures à la fois. Donc je me contente de celles qui sont les plus récentes, les plus modernes. Et après, si besoin, vous adaptez si vous voulez. Alors, on va se contenter de faire ça. On verra bien évidemment que la lecture de données n'a rien à voir finalement avec des langages plus haut niveau, hein, comme le C, Java, C Sharp ou que sais-je. Donc il y a beaucoup de contraintes et beaucoup de limitations et de choses à prendre en compte qu'on verra au fur et à mesure de la formation quand on avancera avec d'autres notions qu'on n'a pas encore vues à ce stade. Mais je vous expliquerai tout, bien sûr, le moment venu. Donc ne vous en faites pas s'il vous manque encore quelques petits détails de compréhension sur l'ensemble des notions qu'on voit ensemble. Pour Windows, nous allons utiliser la fonction de la Windows API, qui est tout simplement Read Console A, puisqu'on va travailler sur une version NSI également, qui gère d'ailleurs notamment les accents, et on va directement l'inclure ici. Alors je vais passer l'étape où on regarde dans la documentation comment elle est, hein. Vous tapez Read Console et vous allez tomber dans les moteurs de recherche sur la page du site de Microsoft, sur la documentation, avec tout simplement la signature de la fonction, les différents paramètres, etc. Vous allez remarquer de toute façon que c'est assez similaire finalement à la fonction d'écriture, d'accord, à quelques détails. Donc c'est pour ça que je passe un petit peu cette étape, parce que c'est vraiment pas compliqué. On va aussi compléter quelques constantes, ça c'est plus pour éviter dans les différentes prochaines vidéos aussi de répéter à chaque fois des choses. Donc on avait, je vois que j'avais déjà fait une constante ici pour le flux de sortie standard, on va le faire pour le flux d'entrée cette fois-ci. On va créer une petite constante aussi, voilà, EQ, et on va mettre moins 10 pour la lecture, oui. Alors, on y va. Ça, on va le garder. Data, on verra un petit peu. Donc, le code, j'ai pas laissé grand-chose à part hein, la gestion de l'espace fantôme, rappelez-vous, pour Windows, hein, ici, au niveau de la pile, et la fonction en fait qui quitte le programme proprement. Pareil, pour gagner un petit peu de temps pour les prochaines vidéos. Ok, donc on y va. Je vais déjà commencer par faire un appel, je pense. On va afficher un petit message. À la rigueur, pour prendre ça, je vais faire juste message. Voilà. Quel est ton nom? Hop, je peux pas mettre de retour à la ligne parce qu'il sera comme ça sur la même ligne, sera très bien. Ici, message Lance évidemment égal à ça. L'adresse courante, je vous rappelle, un petit rappel, l'adresse courante ici, ce symbole, moins le message qui permet d'arriver sur l'adresse en fait, qui nous donnera la longueur de cette chaîne. Comme ça, nous avons tout ce qu'il faut. Ok, ça c'est bon, ça on verra après plus tard. Si, ce qu'il va nous falloir return aussi, qui est un des paramètres aussi, enfin que je vais appeler en tout cas return, moi. Et je vais le mettre plus petit, parce que je sais que dans les vidéos précédentes, j'avais mis ça en keyword, hein, en quadruple mot, alors qu'en réalité, au niveau de la fonction, ça a juste besoin d'un double mot, donc 32 bits. Donc il n'y a pas besoin de prendre autant, on peut juste prendre voilà, un double word, un D word, et ça suffira amplement aussi. Ok, donc on y va, ici mov rcx, on va passer, on va faire de l'écriture hein, d'abord, donc on passe ça, on utilise nos constantes, et on fait un appel à getStdHandle, qui est simplement celle qui va nous permettre de récupérer le gestionnaire qu'on veut sur le bon flux. Donc là, nous sommes sur le flux de sortie, donc le flux d'écriture. Alors on va faire demande de saisie. Il y aura cette étape-là. Ensuite, on fera lecture, clavier, et ensuite affichage de la saisie. On fera en trois étapes. Ça va commencer à faire pas mal de code, comme vous allez le voir. Ok, donc ça c'est bon. Ça paraît comme il va falloir le répéter à chaque fois. Hein. Ici, il va falloir passer en lecture. Voilà, et à nouveau ici, repasser en écriture. Donc, changer à chaque fois, bien sûr, le flux. Pour gérer les écritures et les lectures. Ok, donc pour l'écriture, pardon, révision classique, on a déjà vu ça la dernière fois, pas compliqué. On va faire un petit RCX, on va travailler directement ce qu'on récupère, je rappelle, le retour de cette fonction hein, qui a été mis dans RAX hein, d'après les conventions d'appel que nous avons, donc pas de problème. Ensuite, on va pouvoir mettre le message
Où est-ce que j'ai mis ça, mon message? R8. Ici, on va lui indiquer la taille ici qu'on veut, la constante. R9. Et R9, il prendra le cet espace réservé, return. Et ensuite, au niveau de la pile. Donc le shadow space que j'ai réservé ici, on le met à 0, en fait c'est pour passer nul. Alors c'est vrai que nul, comme on utilise pas mal cette valeur, je pourrais éventuellement faire ça. Tant qu'à faire, c'est équivalent à 0, comme ça, regardez, hop. Voilà, on utilise un maximum des constantes, ça vous fait réviser un peu tout ça, c'est très bien. Ok, et ensuite on termine par l'appel à read console A. Et là nous avons fait normalement la lecture de l'information, d'accord? Alors pareil, pas la lecture, pardon, l'affichage juste du message pour dire voilà quel est ton. Alors je vais demander un, voilà, un nom d'utilisateur, tout simplement, on fait simple, ça suffira amplement ici. Ok, donc maintenant que je me gourre pas, d'ailleurs c'est pas read, voilà, vous voyez, je vais un peu vite, c'est bien write. Ok, on fait de l'écriture. Maintenant nous passons effectivement à la lecture, ce qui est un peu la nouveauté. Alors là, bon, l'affichage du résultat, on verra qu'après ça va être quasiment copié-collé aussi. Mais on va faire déjà cette partie. Donc vous allez voir qu'au niveau de cette fonction, on trouve quasiment les mêmes paramètres. Donc c'est pas compliqué. Mover CX, RAX, je rappelle qu'on récupère du gestionnaire ici, cette fois-ci en flux de lecture. Donc ça c'est bon. Sur RDX, on passe cette fois-ci username, qui n'existe pas encore, mais pas de problème, on va le réserver. Username. Je vais choisir. Alors je vais déjà bon, rester sur. Sur des octets, ce qu'on va lire, rappelez-vous, un caractère pour un octet, et on va partir sur, on va créer une petite constante ici, max length, pour limiter bien sûr le nombre de lectures, et là vous allez voir qu'il y a des cas à prendre en compte, on va voir la différence entre Windows et Linux, pour ça en tout cas parmi vous qui regardons les deux parties de la vidéo. Ici je vais dire par exemple que je peux lire jusqu'à 10 caractères au clavier, mais il faut prendre en compte les retours à la ligne. Sur Windows, rappelez-vous dans d'autres formations, peut-être que vous avez remarqué, je l'avais dit, sur Windows, le retour à la ligne est pris par deux caractères. On a l'anti-slash N et l'anti-slash R. Il faut deux caractères en fait pour faire un retour à la ligne sur Windows, donc il faut les prendre en compte. Si vous voulez lire maximum 10 caractères en prenant les deux caractères du retour à la ligne, vous devez donc prévoir une taille pour le buffer de 12, d'accord, pour pouvoir lire 10 caractères maximum en prenant le fait d'appuyer sur la touche entrée à la fin. Donc on va faire ça, je ne vais pas prendre une longueur très, très importante, hein, pour l'exemple ici, ça suffira bien. Et d'ailleurs, j'ai oublié la moitié, si je ferme ma constante, voilà. Data, on va l'utiliser. Attendez, R8 ici. Voilà, comme ça on va limiter en fait cette taille. Donc ça, d'ailleurs c'est RESB en fait, faut l'utiliser là. Je suis allé un peu vite, hop, voilà, c'était pour ça que je voulais l'avoir. Ok, donc là ça va réserver bah, 12 octets, hein, donc on aura 12 caractères comme je vous avais dit pour prendre en compte le retour à la ligne sur Windows. Donc on a ici cette partie, donc vous voyez qu'on retrouve le même cas, c'est-à-dire ce qui va servir de buffer, la taille en fait de ce qu'on veut lire ici, et en fait, ensuite ce que nous avons effectivement lu. Donc c'est R9, je vais faire, bah, comme j'ai fait ici une variable return, je vais faire une variable read, qu'on va mettre tout simplement, je vais mettre ici, read, et je vais réserver également. Voilà, j'aurais même limite pu faire encore une autre constante ou en fait faire une référence à ça, mais c'est parce que je trouve qu'après ça permet d'avoir un hommage, encore une fois une auto-documentation du code qui est bien plus pratique, surtout en langage assembleur où on a beaucoup d'instructions, c'est bien d'avoir ça. Et ensuite, voilà, c'est la même chose, hop, on ne s'embête pas, et on termine par un read console, et cette fois-ci c'est bien au bon endroit, pas comme tout à l'heure. Ok, une fois que ceci est fait, donc cette partie de la lecture, l'affichage de la saisie, bah, comme je vous ai dit, c'est grosso modo tout ça. Quelques petits changements, puisqu'on ne veut plus afficher le message ici, on veut afficher ce qu'on a écrit, on veut bien sûr limiter l'affichage à cette longueur qu'on a utilisé comme constante, on est toujours sur return, ça ne change pas, et on fait bien write console, et nous avons fini au niveau de Windows, a priori, si j'ai rien oublié. On va tester, et ça devrait être bon. Hop, win64, main.sm-o, on crée notre fichier objet, ensuite on fait un appel golink. Non, pas Moun, je sais pas ce que j'ai mis. Ok, entry main console kernel32 DLL. Et voilà. Et normalement, si c'est bon, j'exécute le programme.
Donc là, je peux taper quelque chose. Vous voyez qu'on a pris en compte. Ici, vous voyez qu'il a ajouté, il a ajouté ici, bien sûr, le retour à la ligne. C'est pour ça que là, le message là, de mon prompt s'est mis après. Si, on pourrait très bien l'enlever hein, après par tout un tas de mécaniques, mais il y a des choses qu'on n'a pas encore vues en langage assembleur. Donc, à ce stade, ce serait peut-être un peu compliqué pour vous de le faire. Mais comprenez qu'en fait, ici, on n'a pas juste ces caractères qui ont été enregistrés. On a aussi un caractère de retour à la ligne qui compte, d'accord, qui est inclus dans la chaîne. Donc, c'est pour ça qu'en fait, on avait besoin ici, finalement, de voilà, 12 caractères et non pas de 10. Sinon, ça aurait tronqué par rapport au rond. Après, pour vérifier que ça marche bien, comptez qu'on ne peut pas dépasser. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ça marche. Si je refais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, là, vous verrez que ça ne va rien afficher. Ça ne marchera pas. Donc, ça, c'est le comportement au niveau de Windows. Il n'a tout simplement pas géré ça. Donc, il n'a pas lu. Alors, normalement, on devrait pareil tester le retour, ce que les fonctions hein, Write Console et Read Console renvoient un booléen pour voir si ça a fonctionné, la lecture et l'écriture. On devrait le vérifier, mais pareil, on n'a pas encore vu tout ce qui est structure conditionnelle. Donc, on est assez limité ici. Et comprenez que là, bah, on a dépassé la limite. Donc, forcément, la lecture, en tout cas, ne s'est pas faite correctement. Ok. Voilà pour Windows, tout simplement. On ne va pas aller plus loin parce que je vous dis que ça prend en compte pas mal d'éléments. Et vous verrez aussi par la suite que là, ce que nous avons lu, comme vous voyez, ce sont sur des octets. Donc nous avons lu en fait une chaîne, on récupère une chaîne. Si par la suite vous voulez faire des calculs avec ça, même si on ne l'a pas encore abordé, vous doutez que si nous ne l'avons pas encore abordé, c'est bien qu'il y a une raison. Mais on verra un peu comment que ça se passe. Parce que vous savez que pour faire des opérations arithmétiques, on peut le faire avec des nombres. Si vous essayez de faire ça avec des chaînes, éventuellement ça ferait de la concaténation. Si bien sûr c'est géré, sinon bah, ça ne fera rien du tout, parce que vous ne pouvez pas faire des additions avec des caractères, ou en tout cas des lettres, ça n'aurait pas beaucoup de sens. Donc on regardera un petit peu tout ça, comment ça fonctionne, ça fait partie des petites subtilités qu'on verra sur la suite de cette formation aussi. Pour Windows, c'est terminé, on va pouvoir passer maintenant à la partie GNU Linux pour voir comment on adapte ça sur l'autre système d'exploitation. Alors, on va se connecter. Tout est ouvert, oui. C'est assez grand, je regarde au niveau de mon retour. On peut resoumer un petit peu au pire, voilà. Ça peut ressembler un peu grand. De toute façon, je vous conseille bien évidemment de regarder sur un ordinateur, je rappelle, en qualité Full HD pour avoir la meilleure résolution. Si vous regardez ça sur un téléphone, ne soyez pas étonné de ne rien voir, c'est normal. Ok. Alors, ici, ah, j'avais pas créé de constante du tout, tiens. J'ai pas du tout, du tout créé de constante. On va en créer quelques-unes. 0 pour stdin sera déjà pas mal. Et j'avais quoi? Qu'est-ce que j'avais créé sur Windows? Bon, bref, on verra un petit peu ce que nous avons ici. Donc là, pareil, juste de quoi quitter le programme. J'ai même enlevé les autres sections. D'ailleurs, j'aurais pu les laisser. On va avoir besoin de rajouter quelques petites choses par la suite quand même. On est bon. Je pense que là, c'est OK. Alors, pour cette partie, même chose. On va regarder pour écrire. Lire, écrire, et on va comme ça voir un petit peu chaque étape ici. Donc première chose, là on va faire, j'avais mis message. Non. Quel est ton nom? Hop, sans retour à la ligne ici. Ensuite message. Length. Call. Message. Ok. Donc cette partie, je la laisse ici. On fera la demande de saisie sur le clavier et l'affichage de la saisie. Bien. Alors, pour l'affichage, enfin oui, l'affichage en premier, il nous faut donc faire appel à la fonction système sysWrite. Donc, c'est sur 1 son code. Ensuite, on va passer les différents éléments. Il nous faut le message. Nous falloir la taille. Voilà, donc là, vous voyez que c'est quand même plus simple. Attendez. Non, j'ai oublié la moitié. Il est où mon file descriptor? Non, c'est lui qui est là. C'était des routes. Je suis allé un peu vite. Le buffer est là. Et ensuite, il y en a toi. Merci, autocomplétion. RDX. Voilà. C'est d'abord le fichier le file descriptor, hein, donc le fichier descripteur, ensuite le buffer, ensuite la taille, le nombre de caractères qu'on va lire, ensuite on fait l'appel système. Syscall. Ok, ça c'est bon. Pour la lecture, bah, c'est la fonction
sysread, donc pareil, un appel système aussi ici. On va rester sur quelque chose de très simple. Ici, c'est le code 0. RDI, on va lui passer la petite constante qu'on a créée, stdout, puisqu'il faut passer en fait stdin, qui est donc 0. D'accord, c'est le code ici pour ce flux-là. Move RSI username, que je vais créer bien évidemment. RDX, je vais le créer aussi. Le nombre de caractères à lire. Donc ça, on va le passer là. On va mettre 11 caractères. Donc là, sur Linux, au contrario de Windows, on a un seul caractère pour le retour line. C'est l'anti-slash n. Donc en mettant 11 ici, ça veut dire que je vais pouvoir lire jusqu'à 10 caractères, puisque le 11e sera réservé pour la touche entrée, donc qui fait un retour à la ligne, qui compte comme un caractère ici. Voilà. Et BSS, c'est la partie à réserver. Username. On va mettre nombre d'octets aussi et de cette taille là. Et normalement c'est bon. Username ici, ici, ici. J'en ai pas oublié la moitié là. Oui, 4, 4, c'est bon. L'appel système est déclenché ici. Et voilà. Et ensuite, comme pour Windows, pour ceux qui avaient suivi la première partie, on reprend tout ça, mais on affiche le username avec cette longueur maximum. Et normalement c'est OK. Vous voyez, pas grand chose, c'est pas compliqué. Maintenant que vous avez vu, et si vous avez bien assimilé l'utilisation des appels système ici, ou pour ceux qui sont sur Windows, les appels aux fonctions de l'API, d'accord, vous avez vu que c'est assez simple. Il suffit de voir la documentation, de voir les différents paramètres, et ensuite qu'ils aient la bonne taille, de savoir si c'est un élément qui est déjà initialisé ou un espace à réserver, de mettre les bonnes valeurs, et ça va tout seul, il n'y a pas de problème ici. Alors vous verrez que plus tard aussi, on passera par la bibliothèque du langage C pour faire des appels. Ce qu'on fait évidemment là, c'est à titre pédagogique, c'est pour vous apprendre un petit peu à comprendre le fonctionnement de tout ça, mais par la suite, quand on fera après de l'écriture, de la lecture, tout ça, quand on va faire des choses un peu plus complexes, on ne va pas s'amuser à faire ça avec des appels système, on ne fait plus ça de nos jours, on passe par un langage plus haut niveau, et on fera par exemple appel à printf, par exemple, pour faire de l'affichage, plutôt qu'appeler à syswrite ou les fonctions un peu, on va dire, vieillissantes de l'API de Windows. Là, c'est juste parce que c'est bien de savoir faire cela. Et aussi, bah, c'est pour ceux qui ont la curiosité un petit peu de voir comment ça marche avec des outils, on va dire, un peu plus bas niveau de chaque système d'exploitation. Voilà, on n'a plus qu'à tester pour terminer cette séance et cette partie, en tout cas, de la vidéo. -L ELF64. Enfin, s'il n'y a pas d'erreur, parce que bon, je fais là comme si ça y est, tout était bon. Vous savez, on n'est jamais sûr, surtout quand on s'enregistre. Prog. Et on exécute le programme. Donc je tape ça, ça marche. Pareil, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ça marche. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Et là, voilà ce qui va se passer. Donc c'est un autre comportement par rapport à Windows. Il va arrêter en fait la lecture, parce qu'on tentait en fait juste d'avoir les bons caractères. Par contre, il va laisser les caractères restants dans le flux. C'est pour ça qu'ici, en fait, au niveau du prompt, vous voyez, bah, il a en fait affiché ce qui restait, il a vidé en fait le tampon de lecture, et ça a fait ce changement-là. D'ailleurs, je pense que si je dépasse, il va même essayer de lancer une commande sur Linux, sur le terminal directement. Si par exemple, voilà, je mets beaucoup plus, et bah, tout ce qui reste, en fait, il va, parce qu'il y avait le retour à la ligne qui est compris, mais tout ce qui est après, bah, il va faire comme si c'était une commande que j'ai exécutée dans le terminal. Et voilà, vous voyez là, sdvorgo, machin, commande introuvable. Donc effectivement, c'est resté ici. Donc ça, le bon moyen de faire, en ayant plus de notions par la suite, hein, quand vous verrez les structures conditionnelles, les boucles, même la création de fonctions, bah, ce sera tout simplement de vider ce tampon. Donc tant qu'il y a des caractères en fait dans le flux, et bah, de pouvoir les retirer tout simplement. Donc vider tout simplement le tampon de lecture pour qu'il n'y ait plus ce genre de choses. Mais à ce stade, on ne peut pas trop faire autrement. Donc il faudra se contenter des outils et des notions qu'on a vues jusqu'à présent. J'espère que cette petite séance, en tout cas, vous aura plu, vous aura apporté pas mal d'autres éléments. Comme je vous ai dit, on avance étape par étape, ça sert à rien d'aller trop vite. Donc, on avait vu les variables précédemment, et comment on pouvait déclarer différents types de données. Là, on se sert un petit peu de tout ce qu'on a vu là, et de tout le reste aussi encore d'avant, pour faire de la lecture de données, ce qui vient compléter un peu l'écriture. Donc, n'hésitez pas, pour vous entraîner, vous avez aussi pas mal de choses encore pour vous exercer. Et comme je sais, pour certaines personnes, ça peut être assez compliqué. Alors là, après, encore une fois, on a les deux versions. On a des gens qui assimilent très très vite, pour qui c'est très logique, en fait, le langage assembleur, et ça va tout seul. Et d'autres personnes où il faudra peut-être un peu plus de temps d'adaptation. Voilà, ça dépend après des préférences et des, on va dire, capacités de chacun. Donc à vous de voir comment ça se passe de votre côté. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous et on se retrouvera pour de nouvelles choses, en tout cas sur la chaîne. Ciao tout le monde, bye bye.